On en vient maintenant au dernier rapport. Je donne la parole à M. Pérez pour les actes passés par le maire. Merci, M. le maire. Il s'agit donc des actes passés en vertu de la délégation donnée au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'une information au conseil municipal. Il y a un dossier qui est un peu particulier, c'est celui sur la sortie du gros prêt toxique sur le franc suisse. Sinon, rien de particulier sur le reste, sauf si vous avez des questions sur l'un de ces rapports. Merci. Monsieur Perroton, vous pouvez peut-être compléter l'information du Conseil sur la sortie des prêts toxiques. Il reste un prêt toxique. Oui, il reste un prêt toxique qui est donc le prêt en yens dollars qu'on a choisi pour l'instant de maintenir dans la structure de la dette chambérienne, puisque celui-ci pour l'instant ne présente pas de risque majeur. Et donc on est sorti j'ai perdu la date, mais le 24 mars 2016, de l'emprunt Sfil, qui avait un capital restant dû de 5 732 750 euros. Donc pour en sortir, la Sfil nous a prêté cette somme au taux de 1,56% sur une durée de 20 ans et 3 mois, qui était la durée résiduelle de l'emprunt. Donc on n'a ni allongé ni raccourci cette durée. Nous avons dû payer une indemnité de sortie, une pénalité de 18 151 000 euros. Et cette pénalité a été réglée par un emprunt de 17 080 000 euros sur 15 ans, donc un nouvel emprunt toujours au taux de 1,56%. Et 1 071 000 euros qui sont, entre guillemets, noyés dans les intérêts dans ce taux de 1,56%. Donc on remplace par ce biais un emprunt qui était en avril 2016 à 20,312% de taux par un emprunt à 1,56%, mais malheureusement par une pénalité de 18 millions d'euros qui sera à amortir sur les 15 ans qui viennent. Merci. Y a-t-il des commentaires sur ces rapports, sur ces dossiers, des questions? Je n'en vois pas. Si c'est d'une communication au Conseil. Alors, il reste, Monsieur Cyrino le veut. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Tout d'abord, je regrette que ce dossier qui est d'actualité n'ait pas fait l'objet d'une délibération, ne serait-ce qu'une délibération d'information au Conseil municipal, comme nous l'avions demandé le 21 mars. La suite de la question que nous avions à l'époque déjà posée sur ce sujet. J'ai préparé un certain nombre de choses, alors si vous ne me répondez pas, ça va être un peu dommage, mais je note qu'en revanche, vous avez tout à fait pris le temps nécessaire, comme nous d'ailleurs, pour diffuser des documents aux Chambériens sous forme de lettres ouvertes, ce qui est tout à fait légitime. Nous avons un litige, et il est sérieux. Je ne vais pas vous faire un historique exhaustif, mais je me dois de dire que nous vous avons très largement alerté sur la grogne qui se développait parmi les habitants et dans nos rangs, non pas seulement au sujet de votre projet, qui reste encore très difficile à cerner aujourd'hui, mais à propos de la façon dont vous avez décidé de le mener. Alerté, vous l'avez été depuis des mois par nos soins au conseil municipal, en commission municipale et par les habitants qui vous ont sollicité encore récemment, bien sûr. Il aura fallu, et c'est intéressant tout de même de le noter, 2 mois pour recevoir des plans d'aménagement que votre adjoint Aloïs Chasseau nous a fait passer le 3 ou le 4 mai. Il aura fallu 2 mois aussi pour obtenir des documents liés à la concertation, le bilan de concertation, 8 pages, un petit diaporama pour 75 réunions prétendues. Et nous n'avons même pas eu le droit, monsieur le maire,
de disposer de ces documents, ni même de pouvoir les photocopier. Il a fallu que je sorte mon téléphone pour les photographier. Voilà où on en est. Et c'était la même chose au conseil, à l'agglomération, puisque nous avons fait la même demande. Je trouve que ce ne sont pas de très bonnes relations de travail, même si nous n'avons pas forcément les mêmes positions. Aucune réponse de votre part à aucune de nos sollicitations, sauf à la fin. Aucune suspension des travaux, malgré les demandes répétées des habitants et de nous-mêmes. Face à ce mur d'indifférence, à vos non-réponses récurrentes, à la brutalité des déclarations parfois faites dans la presse, des uns et des autres, hein, aux annonces d'abattage d'arbres sans concertation, à l'avancée de travaux sans discussion en assemblée délibérante, nous avons décidé d'engager une action en justice. Vous en êtes, par l'inconsistance des relations démocratiques que vous avez souhaité établir, les seuls responsables. Vous en êtes les seuls responsables. Nous n'allons pas en justice de gaieté de cœur. Mais force a été de constater votre refus de dialogue et votre refus d'explication. Malgré notre profond respect pour la justice, nous pensons qu'il est toujours plus raisonnable et mature de l'éviter si possible. Mais face à cette attitude délibérée d'avancer au trot à la hussarde, sans vous soucier des habitants et des formes à mettre dans la construction d'un projet, juste parce que vous pensez que c'est bien et que de toute façon vous êtes légitime au point de ne pas respecter les procédures, alors là, trop c'est trop pour nous. La justice tranchera notre litige, sur la forme et sur le fond, dans les jours et les mois qui viennent. L'audience de vendredi sera un rendez-vous important, mais ne sera qu'une étape. Car quel que soit le résultat, monsieur le maire, que la justice vous ordonne ou pas de suspendre les travaux en attendant le jugement au fond, vous avez commis deux erreurs et une faute. Vous avez commis une erreur par le mépris affiché à l'égard des habitants, accusés d'être manipulés. C'est ridicule pour ne pas dire plus, et c'est en tout cas humiliant. Je renvoie tout le monde à la lecture de la tribune du MAG, alors je ne sais pas s'il faut dire de ce mois ou de ce trimestre ou de ce semestre, parce qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il sort ce magazine, hein. Il y en a deux dans l'année. Je cite. Un collectif de quelques-uns, trois mots sur une banderole, n'ont jamais fait l'intérêt général. Je vais y revenir. Ça vaut le détour. La vie publique locale tient sa noblesse de la proximité entretenue avec les habitants, pour le meilleur et pour le pire. Malgré une crise sans précédent, vous avez assumé la brutalité de l'abattage de ces arbres à 6 h du matin, l'heure des condamnés, sans même oser être là, Madame Beau, sans même oser être là. Vous avez commis, je poursuis, une deuxième erreur, par l'entêtement à ne pas voir et entendre la demande d'écoute et la volonté de participation citoyenne des habitants. Ce projet que vous souhaitez réaliser, votre projet n'en aurait été que mieux compris et accepté, certes modifié un peu, forcément. Mais c'est ça la vie démocratique. Enfin, plus qu'une erreur, vous avez commis une faute. Par le manque d'exemplarité, monsieur le premier magistrat, législateur européen qui plus est, mais surtout premier magistrat, quand vous anticipez, monsieur le maire, une décision de justice pour 10 jours. Vous pouviez très bien attendre. Je ne sais pas aujourd'hui, je me pose la question depuis le début, je ne sais pas aujourd'hui pourquoi vous avez fait ça. Si le référé vous est favorable, ça renforce d'autant plus votre position. Et si le référé vous est défavorable, vous avez au moins respecté moralement l'attente de la décision de justice.
Vous allez peut-être avoir gain de cause, vendredi, sur l'urgence, puisque vous l'avez supprimé. Vous avez coupé les arbres. Forcément. Peut-être que vous aurez gain de cause. Mais la justice fera son œuvre sur le fond et vous montrer un visage brutal, sans vergogne, notamment vis-à-vis des autorités judiciaires. Quoi qu'il arrive, vous aurez été celui, je ne sais pas qui a pris la décision, qui a anticipé une décision de justice, qui a traité les habitants avec condescendance au prétexte de votre légitimité que personne ici ne conteste, et certainement pas nous. Personne. Puis, puisque détenteur d'un pouvoir, vous le dites vous-même dans votre lettre au Chambérien qui est datée du 12 mai, vous parlez de pouvoir, vous parlez beaucoup de nous aussi. Marrant, vous parlez au Chambérien de nous. C'est assez étonnant. C'est un peu récurrent, hein, depuis 2 ans d'ailleurs. C'est bien, c'est touchant. On est là pour ça, hein, on est là pour ça. C'est une erreur supplémentaire que de confondre pouvoir et responsabilité. Car c'est une responsabilité que d'être le garant de l'équilibre de notre ville. Une responsabilité que de considérer chacun de ses habitants comme méritant d'être écouté, monsieur le maire. Une responsabilité que de faire des choix guidés par l'intérêt général, effectivement. Bien sûr, mais après vous être nourri des apports de chacun. Comment exercer une responsabilité, c'est-à-dire apporter une réponse, si on n'écoute pas ? Et si effrontément, on ne prend pas le temps du dialogue avec les citoyens ? Alors vous allez vous en ferrer, certainement, quoique je ne sais plus, puisque vous avez annoncé que vous n'alliez pas répondre. Vous allez peut-être nous dire que vous avez fait une concertation sans précédent. 75 réunions. Allez le dire aux Chambériens. Allez le dire aux Chambériens. Ils en ont vu 3. Et encore 2. Une à Bissy, une à Chambéry-le-Vieux, et une troisième pour les associations. Le Chambérien, il s'est dit, c'est pour les associations, c'est pas pour moi. Même si beaucoup de Chambériens sont dans les associations, bien sûr. Vous en avez fait 2 autres. Une à Barbie, à la demande du maire, et une à la Motte, Servolex, à la demande du maire aussi, me semble-t-il. On est loin des 75. On est loin des 75. D'ailleurs, vous en faites la liste dans votre diaporama, que j'ai pris en photo, puisque vous n'avez pas voulu me le donner. Vous en faites la liste. Alors, ça arrive déjà, on n'arrive pas à 75, et puis bon, voilà. On compte comme réunion un rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est du travail normal. C'est le montage habituel de votre dossier de façon à avancer sur votre projet. C'est tout à fait légitime, mais ne dites pas que c'est 75 réunions où les Chambériens ont pu s'exprimer. C'est pas possible. On continue, s'il vous plaît. Donnez-nous des dates, des synthèses. Donnez-nous ces éléments. On n'a rien. Ni qualitatif, comme vous le disiez dans la presse, Madame Beau, ni quantitatif. Chacun sait ici qu'il n'y a en réalité pas eu de véritable concertation. Alors vous allez me dire que vous avez, vous, jamais fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire déférer en justice. Oui, peut-être. En tout cas, pas le dernier mandat, c'est vrai. Avant, je ne sais pas. C'est amusant, cette perpétuelle comparaison dans laquelle vous êtes. Est-ce qu'il y avait un motif quelconque de déférer précédemment ? Je vous pose la question, mais peut-être que vous ne me répondrez pas. Tous les grands projets ont fait l'objet par le passé d'une concertation nourrie, d'informations largement diffusées. Il y a eu une maquette à l'hôtel de Cordon du projet chez Metoff. Il y a eu un stand de la foire en 2012 qui a été complètement, entièrement dédié à la question. Les gens ont pu voir ce qui allait se passer. Vous-même, vous avez pu. Tout le monde a pu constater un certain nombre de choses. Et je crois pouvoir dire humblement que ça n'a pas forcément toujours été simple à gérer, évidemment, et vous le savez très bien. Votre première adjointe, celle qui porte votre voix, votre double en quelque sorte, a même déclaré dans la presse que les équipes précédentes ne concertaient pas. Comment vous pouvez dire des choses comme ça, Madame Beau ? C'est pas possible. Je pense que vous aurez été mal informée. Alors vous allez nous dire aussi que nous manipulons les habitants. Ah oui, ça, on a vu ce soir, hein, d'ailleurs. Je pense que tout le monde s'est bien rendu compte qu'on manipule rien du tout. Qu'on manipule les habitants. Mais qui peut croire cela ? Comment imaginer cela après 2 ans ? 2 ans après votre victoire nette ?
Deux ans après l'espoir légitime né d'une nouvelle équipe qui arrivait. Ceux qui vous ont porté aux responsabilités, monsieur le maire, ne peuvent pas être passés des rires aux larmes, de l'espoir à la déception, autrement que par la conséquence de vos actes, et non par une soudaine et massive adhésion à celles et ceux qu'ils n'avaient pas souhaité reconduire. Déconsidérer ainsi les citoyens, en démocratie, interroge beaucoup sur les motivations profondes de ceux qui utilisent de telles méthodes. Enfin, vous allez nous dire que nous sommes dans une... Vous nous l'avez dit d'ailleurs dans votre lettre à tous les Chambériens, que nous sommes dans une bataille politico-politicienne. Eh bien, moi j'invite les Chambériens à relire votre lettre et à mesurer combien de passages sont consacrés à la critique obsessionnelle de votre opposition. Relisez également, chers collègues, vos propres mots dans la tribune que vous publiez dans le journal municipal. Vous ne parlez quasiment que de nous. Franchement, c'est assez étonnant. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il faut que ça change. La différence d'appréciation, elle peut exister en démocratie. La diversité des opinions et des projets ne peut pas, elle seule, justifier ce genre d'attaque et ce ton que vous employez régulièrement à l'écrit ou à l'oral. Que cela vous plaise ou non, il existe une minorité qui parfois s'oppose à vos projets. C'est comme ça. Ça n'a pas toujours été. Ça n'a pas toujours été. C'est assez récent, finalement, dans la démocratie municipale. Ça date des années 80. Mais il y en a une. Et elle pèse 45% des électeurs qui se sont exprimés. C'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. C'est pas suffisant pour être à votre place, mais ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, monsieur Perroton. Jamais nous n'avons eu à connaître une telle gouvernance dans cette ville. Jamais. Quelles que soient les personnes qui les ont dirigées, les équipes. Jamais nous n'avons eu une telle hystérisation des débats. Jamais nous n'avons eu une telle mobilisation des citoyens. Quelles que soient leurs convictions, plus de 7000 personnes, même au plus fort des tensions sur le projet chez Metoff, et vous le savez très bien. Alors nous en appelons à votre sens des responsabilités. Qui peut raisonnablement penser autour de cette table que nous allons et que nous pouvons tous continuer à travailler, à administrer cette ville que nous aimons tous, puisque nous avons choisi de nous y engager, né ou pas ici, monsieur Davoine, de cette façon, dans cette ambiance délétère, insupportablement délétère, pendant encore 4 ans. Ce n'est l'intérêt de personne ici et d'abord pas des Chambériens. Nous allons voter ce vœu, vous allez le rejeter. Mais quel que soit le résultat du référé de vendredi, nous vous demandons officiellement un rendez-vous dans les jours qui suivront pour remettre à plat nos modes de fonctionnement et assainir les relations de travail. Voyez cette demande comme une volonté de sortir la tête haute d'une crise qui devient insupportable pour tout le monde. Une main tendue que j'espère vous comprendrez comme telle. Nous vous proposons donc le vœu suivant. J'en fais lecture. Le conseil municipal de Chambéry demande la suspension immédiate des travaux engagés ou prévus dans le cadre du nouveau plan de déplacement urbain jusqu'à l'audience du référé inscrite, je corrige, le 20 mai 2016 et l'organisation d'une concertation avec enquête publique conformément à la loi. Monsieur Cérineau,
J'ai plus envie de vous dire, professeur Cérino. Ah. Je trouvais que vous aviez mis du temps à y venir, que monsieur l'inspecteur. Je voudrais vous rappeler que vous n'êtes pas ici devant une classe du lycée Louis-Armand, vous êtes ni devant vous. Le conseil municipal. Ni vous. Bon. Écoutez, monsieur Cérino. Je vais demander la parole. Je voudrais, monsieur Cérino, puisque vous avez la mémoire sélective, vous ressortir un certain nombre de documents qui sortent de l'étude chez Metoc. Ceux-là, vous ne les avez pas demandé, mais je les ai. Ce magnifique document, qui était dans le dossier de l'enquête publique, montre que tous les arbres du quai du Jeu de Paume qui viennent d'être abattus étaient abattus dans le projet chez Metoc. Si, si, mais vous pouvez vous approcher pour voir de près, monsieur Cérino. Ils sont pointés en tout petit ici, c'est les arbres qui sont à abattre. Vous voulez voir la place de la gare ? Je tiens la place de la gare à votre disposition aussi. Vous verrez où sont passés les arbres. Donc, pas de procès mal placé. Vous avez décidé de saisir le tribunal administratif. C'est le droit de tout citoyen. C'est une éventualité que jamais l'opposition, pendant les précédents mandats, n'a envisagée, parce que nous avons toujours considéré que seul le suffrage universel était la sanction d'un élu. Et d'autant plus quand on est soi-même élu. Je respecte donc votre choix. Le débat aura lieu à la barre d'un tribunal. C'est votre choix. Nous nous en tiendrons donc là. On verra la décision qui sera rendue, vous avez dit que c'était vendredi, par le tribunal administratif. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'il y a bien, depuis plusieurs semaines, une contestation d'habitants de la rue de la Gare sur le fait que de la circulation soit rétablie et de la circulation de bus soit rétablie dans la rue de la Gare. Cette position et cette question pose une question beaucoup plus large que celle de la rue de la Gare. Parce que demain, les riverains de la rue de Boigne peuvent aussi nous demander qu'il n'y ait plus de circulation rue de Boigne. Ceux de la rue Claude Martin peuvent aussi nous demander, par exemple, qu'il n'y ait plus de circulation dans cette rue-là. Donc, il y a un problème, il y a des préoccupations de livraison, de proximité, etc., auxquelles nous sommes efforcés de répondre. Et puis ensuite, il y a eu une mayonnaise qui a été montée autour des arbres. J'utilise volontairement le mot mayonnaise. Il se trouve que plusieurs de mes proches sont passés sur le site de manière non volontaire. Quand on explique que la ville va faire des parkings à la place du Vernet, je comprends tout à fait, monsieur Cérino. Mais je peux vous amener les personnes à qui ça a été expliqué. Ah oui. Ah bah. Bon, mais peut-être. Mais alors, si ce n'est pas vous, n'utilisez pas les 7000 signatures comme argumentaire. Voilà. Bon. Donc, non, je ne suis pas dans le mépris, je suis dans la réalité. Je suis dans la réalité. Mais, M. Cérino, nous faisons dans cette affaire-là cause commune. Vous aviez prévu de les abattre. Si. Je tiens les dossiers à votre disposition. Je tiens les dossiers à votre disposition. Très bien. Madame Laclais. Oui, monsieur le maire. Moi, je crois que le problème des arbres n'est que malheureusement le résultat d'une situation, d'un manque de concertation, sur lequel, comme l'a très bien dit Jean-Benoît Cérino, nous avons attiré votre attention. Vous répondez que tout ça est manipulation, mayonnaise montée par l'opposition. Écoutez, si vous le souhaitez le dire comme ça, je crois que chacun appréciera la réponse. Je ne pense pas qu'elle soit aujourd'hui à la hauteur des attentes des habitants. Alors, je ne crois pas d'ailleurs que les habitants de la rue de la Gare sont en train de dire on ne veut pas qu'il y ait de bus qui passe chez nous. Je n'ai jamais entendu ça personnellement. Hein. Je crois que, par contre, et ce que nous disons depuis plusieurs mois, monsieur le maire, c'est qu'il y a déficit d'information et de concertation. Alors vous pouvez dire, Madame Beaud, il y a 75 réunions, je crois que la démonstration qui a été faite par Jean-Benoît Cérino est suffisamment claire. Monsieur le maire, la rue de la Gare et la rue du commandant Perceval, dans le projet chez Métoff, étaient des rues piétonnes.
pour des raisons qui sont des raisons issues des élections. Vous choisissez de changer le projet. Personne ne vous conteste votre légitimité, mais procédez au même type de concertation qui ont été celles qui ont permis d'aboutir au projet Chemetov. C'est tout ce qui est demandé. Et je crois que c'est la seule chose que demandent les habitants. Ils avaient un projet pour qu'ils partageaient ou qu'ils ne partageaient pas d'ailleurs, mais qui prévoyait un certain statut à leur rue. Le statut est changé par votre décision. Et encore une fois, personne ne conteste la légitimité issue des urnes qui vous permet de remettre en cause ce projet. Mais concertez de la même façon que ça a été fait. Et vous pouvez dire que ce conseil municipal n'a pas délibéré. En 2007, il a été informé à délibérer sur le cahier des charges de l'étude Chemetov. En 2009, il a été informé et il a voté sur le résultat du projet Chemetov. En 2011, mars 2011, il a voté sur le schéma d'aménagement global. Et ensuite, il a été saisi, comme vous le savez, d'un dossier d'enquête publique. Donc voilà, je crois que ce qui est demandé aujourd'hui par les habitants, c'est simplement le respect de modalités de concertation. C'est là-dessus d'ailleurs que nous sommes particulièrement mobilisés. Sur le reste, je me suis personnellement beaucoup investi avec la communauté d'agglomération pour que le projet ne prévoie pas l'abattage des arbres de la place de la gare. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'en conviens, à convaincre les uns et les autres. Mais j'ai obtenu, grâce à l'écoute du président et d'un certain nombre de ses vice-présidents, que ces arbres ne soient pas abattus dans le cadre du projet du pôle d'échange multimodal. Donc voilà, après que ce que j'ai lu, vous puissiez dire que nous aurions abattu 2000 arbres sous la précédente municipalité, mais si nous en avions vraiment abattu 2000 de qualité, mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup de mobilisation. Vous savez très bien que la gestion même de la ressource de notre collectivité nous amène à abattre un certain nombre d'arbres. Donc ne faites pas, de grâce, ne diffusez pas des informations qui soient des informations fausses. Alors s'il y a des habitants qui disent que vous voulez faire du stationnement dans le parc du Vernet, écoutez, c'est peut-être que tout simplement ils ont besoin de concertation et d'information. Donc peut-être qu'il serait... Non, Madame Beau, vous ne pouvez pas dire cela. Et quand vous dites dans une interview que vous avez donnée au Dauphiné libéré, que vous osez dire, Madame, que vous faites au moins autant que ce qu'a fait la précédente équipe. Moi, je ne sais pas où vous étiez au cours des 6 dernières années. Mais comment peut-on dire cela ? Comment peut-on dire cela, Madame, quand il y a eu un stand à la Foire de Savoie, des expositions à l'hôtel de Cordon, Maison du patrimoine, des concertations au titre de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme et enfin une enquête publique. Comment pouvez-vous dire cela ? Oui, monsieur le maire, vous pouvez présenter les plans du projet Chemetov justement parce qu'ils ont été publics. Rendu public. Vous avez parlé de 75 réunions. On sait qu'à Chambéry, il y a eu 3 vraies réunions ouvertes au public. Il y a eu un diaporama qui a été présenté, j'allais dire furtivement, très difficile de revenir sur les images. Ce diaporama n'a jamais été rendu public. Quand j'ai demandé à Mme Beau en commission transport de l'aglo pourquoi il n'était pas sur le site Chambéry Mobile, elle m'a répondu il y a plusieurs mois, ah, il n'y est pas, ça doit être un oubli. Oui, ce sera rapide. Deux choses. La différence entre le projet de requalification de l'axe de la Lesse, dit projet Chemetov, et votre projet. En plus, effectivement, de la conception, de la concertation qui n'était pas du tout les mêmes et qui n'ont pas suivi les mêmes procédures, il y a une différence fondamentale, c'est que d'un côté, on a un projet d'aménagement urbain avec des équipes d'architectes urbanistes qui ont travaillé la chose pendant 6 ans,
pendant 6 ans, les équipes ont travaillé, ont fait des allers-retours avec les services techniques, la population, les élus, etc. 6 ans. Où est l'architecte urbaniste dans votre projet ? Et effectivement, ce que vous proposez sur le tronçon gare Jean-Pierre Véra, mais c'est catastrophique. Je veux dire, jamais un architecte urbaniste n'aurait pensé à cela. Je veux dire, le moindre technicien de base, effectivement, se dit, il faut que je fasse passer des bus. Ah bah très bien, ça correspond, on les fait passer là. Mais c'est une catastrophe, ce projet d'aménagement. Donc il est là. Enfin, une des différences fondamentales, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de conception d'aménagement urbaine dans votre projet. Quelques mots sur les arbres, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a des problèmes, ça c'est bien connu, hein, Pasqua, de votre parti, disait « quand il y a une affaire, créons une affaire dans l'affaire ». Et comme ça, on parle vite d'autre chose. Bon, ben effectivement, il y a eu un problème avec les arbres. Tout de suite, vous sortez qu'on aurait abattu 2000 arbres entre 2010 et 2014. Sans préciser effectivement quel type d'arbres. Alors, moi, les chiffres, je les connais. Hein. J'invite M. Chassot, d'ailleurs, à se rapporter au fameux bilan des indicateurs de développement durable qui s'est arrêté avec ce mandat, puisque vous ne voulez plus en faire. Mais moi, j'ai les indicateurs du précédent mandat. Et j'ai donc un graphique qui fait état des arbres abattus entre 2008 et 2012, puisque le dernier rapport que j'ai, il a été approuvé en 2013. Entre 2008 et 2012, il a été abattu en moyenne 270 arbres par an. Voilà, ça fait à peu près 1200 arbres sur 4 ans. C'est loin quand même des 2000 que vous nous prêtez. Sauf que, il faut savoir que quel est le patrimoine arboré aujourd'hui de la ville ? Vous faites les... Mais qui connaît aujourd'hui le patrimoine arboré de la ville ? Ben, lisez la charte de l'arbre. Tous les chiffres sont dedans. Il y a 11 000 arbres d'ornement dans la ville, plus 11 000 autres dans les parcs, divers parcs comme le Talweg, Buisson, etc. Voilà. Sur ces 11 000 arbres d'ornement, les services techniques, quand ils ont rédigé la charte de l'arbre, on a mis 2 ans à travailler sur cette charte de l'arbre, ils ont estimé qu'il y avait à peu près 3% du patrimoine qui étaient des arbres malades en fin de vie et qu'il fallait couper et remplacer chaque année. Quand vous faites 3% de 11 000 arbres, ça fait 330 arbres. Voilà. Donc le chiffre globalement de 250 à 300, voire 330 arbres par an à abattre, il est effectivement normal sur une ville comme la nôtre avec le patrimoine de 11 000 arbres. Rien à voir avec les 24 beaux tilleuls de 50 ans qui étaient en pleine force de l'âge que vous avez abattu de manière scandaleuse. Alors un tilleul, vous savez, 50 ans, c'est vraiment la jeunesse. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Sully, à la naissance du roi Henri III, avait fait planter plus de 2000 arbres, plus de 2000 tilleuls en France. Il en reste encore 30, et il se trouve que j'en ai vu un de ces 30, je l'ai vu il y a 15 jours dans un petit village de Haute-Loire. 400 ans, le tilleul, 400 ans. Voilà ce que vous avez abattu négligemment il y a une semaine. Très bien. Moustapha Madi. Merci, monsieur le maire. Alors, moi, si je comprends bien, c'est que... Enfin, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas votre approbation. C'est pas... Si je comprends bien, c'est que les arbres, vous vous en foutez. Puisque... Si, c'est comme ça que je comprends. Et certains chambériens, et un bon nombre de chambériens aussi, comprennent ça, comme ça. Puisque... Tout à l'heure, vous avez demandé à Madame Beau où elle était quand on a abattu les arbres, là, les tilleuls, les 22. Et moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de considération pour ces 22 arbres que les 200 que vous avez fait abattre, monsieur Dupassieux, sur Daniel Robs. C'est vrai, c'était une fois que vous étiez parti. C'est vrai, s'il vous plaît, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est vrai, vous n'étiez plus là, mais c'est vous qui avez donné l'ordre d'abattre ces arbres. Et je peux vous parler d'un cèdre qui était dans le rond-point. Un cèdre, oui, plusieurs, 200, monsieur Dupassieux, c'est pas un. Je vous parle d'un cèdre qui faisait presque 30 mètres de haut dans le rond-point de la rue du Bertillet que vous avez fait abattre. Et là, on vous a pas vu. Et je vous dis, monsieur Sionio, on vous a pas vu. Vous étiez où ce jour-là quand on les a abattus ? Voilà. Alors, c'est sûr, vous allez parler, vous allez dire. C'est vrai. Très bien, allez. Vous allez dire vous avez abattu que des arbres malades. Mais ce cèdre-là, dans ce rond-point, il n'était pas malade. Et d'autres encore. Non, mais il y en avait plusieurs. Et j'ai des photos, je pourrais vous les montrer d'avant et après. Voilà. Et oui, vous avez concerté. Et ben nous, on vous a fait économiser 2 ans et demi. Le résultat, il est, les arbres ont été abattus quand même. Voilà. C'est... Allez, je vous propose de mettre aux voix ce vœu.
Monsieur Serino, vous êtes largement exprimé. Je vous propose de mettre aux voix le vœu. Quels sont ceux qui sont pour ce vœu? Quels sont ceux qui sont contre le vœu? Le vœu n'est pas adopté. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 15 juin. Et avant de conclure ce conseil municipal, je voudrais adresser un message de félicitations à l'équipe 1 du club de handball de Chambéry, qui malheureusement a buté en demi-finale sur ceux qui deviendront les champions d'Europe le lendemain. Mais notre club a fait un très beau parcours en Coupe d'Europe. Il a porté haut les couleurs de notre ville et je veux que chacun des membres de cette équipe, le staff et surtout les dirigeants, et aussi, pardon, l'équipe des dirigeants bénévoles du club soit remerciée et comprennent notre reconnaissance pour le parcours qui a été fait. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.